C'est la deuxième année consécutive que l'île de Beauté accueille le Tour de Corse 10 000 virages, une épreuve exceptionnelle en marge du championnat du monde des rallyes, ouverte aux propriétaires de GT, supercars et voitures de légende. Des routes techniques et magnifiques à la fois. Pour cette seconde édition, le 10 000 Ladies a été créé, réservé aux équipages 100% féminins. Le principe est simple, la FFSA, la Fédération Française du Sport Automobile, permet aux engagés sur la compétition d'emprunter un parcours commun au WRC. 4 jours intenses, 4 étapes sensationnelles, des liaisons somptueuses à travers la Corse via ses 4 points cardinaux et chaque jour une épreuve de régularité organisée sur route fermée et sous les encouragements du public, le must. Une épreuve pour gentleman et gentlewoman driver permettant de découvrir ou redécouvrir les routes et les paysages de la bien nommée île de Beauté. Des détours enchanteurs pour apprécier le patrimoine et la gastronomie corse. Le 10 000 virages plus qu'une course, c'est une aventure humaine fantastique, une véritable fête du sport automobile, une nouvelle manière de vivre sa passion d'un pilotage engagé et exigeant en toute sécurité. Premier rendez-vous à Marseille pour les 110 équipages engagés sur le Tour de Corse 10 000 virages et sur le 10 000 Ladies. Un rassemblement de véhicules d'élite qui ne passe pas inaperçu. L'événement a été conçu par la FFSA pour les passionnés, propriétaires de GT, supercars ou voitures de légende, et il y en a. Des équipages par deux, pilotes et copilotes, beaucoup de duos masculins, quelques équipes mixtes et des duos 100% féminins, même parcours pour tous. En attendant de goûter à l'asphalte corse, direction l'esplanade du Mucem, à deux pas du vieux port de la cité phocéenne. Tous les concurrents partent ensemble dans le même bateau, ce sont les prémices du Tour de Corse. Ici, les véhicules sont vérifiés et certifiés conformes à participer au Tour de Corse. On vérifie la mécanique une dernière fois et la présence de l'équipement obligatoire sur le rallye. Alors le but est de checker chaque intérieur de véhicule, à savoir les casques homologués, que ce soit passager ou conducteur, l'extincteur en état de fonctionnement avec la bonne norme et la bonne validité, et puis l'état général du véhicule. Et on y pose un transpondeur, et puis voilà, après c'est parti, on peut aller stationner les véhicules, elles sont prêtes à prendre le bateau. Le but c'est de prendre du plaisir et de s'amuser. Les engagés profitent aussi d'une assistance technique itinérante qui les suit tout au long du parcours. Dès le rassemblement, certains y ont recours. Tout a été pensé pour épauler les concurrents du Tour de Corse 10 000 virages, une nouvelle forme d'épreuve sportive, une initiative unique. Historiquement, le 10 000 virages, en l'occurrence, c'était l'épreuve sportive. Et puis depuis 2015, puisque en 2016, donc on est à la seconde édition, la fédération a décidé de permettre, on va dire, à des gentlemen drivers de venir se faire plaisir avec des voitures DGT de prestige sur les routes de Corse. Donc c'est un concept qui est absolument unique. On utilise les vraies routes du championnat du monde. On passe à la suite des pilotes du championnat du monde des rallyes. Donc voilà, c'est un concept absolument unique et qui connaît un vrai succès. C'est demain matin que tout le monde a commencé un petit peu à ressentir la pression. Aujourd'hui, c'était un petit peu le hors-d'œuvre, voilà, avec la préparation des voitures, le stickage, etc. On va passer la nuit sur le bateau et demain matin, départ donc pour la première étape. Quelques invités de marque sont attendus sur le rallye. C'est le cas de l'acteur Thomas Sisley. Autre amateur de belles voitures, plus habitué à la conduite sur circuit, cette année, il se frotte aux 10 000 virages. C'est la toute première fois que je viens sur le rallye de Corse. C'est d'ailleurs la toute première fois que je viens sur un vrai rallye organisé par la FFSA. Donc c'est une première pour moi et je crois que je vais bien kiffer. Moi, j'aime bien les bagnoles. J'aime bien conduire. J'aime bien aller vite. Et le rallye permet tout ça. Ça peut pas être dur quand c'est kiffant. Il n'y a pas de... Non, ça va être juste du plaisir. Moi, je vais m'éclater. Côté ladies aussi, il y a du duo de très haute tenue. Alors nous, il y a une grande histoire de confiance entre toutes les deux parce qu'on a une participation aux 24 heures du Mans TT que nous avons gagnée. Et donc, on a une grande confiance et une grande habitude l'une et l'autre. On est venus sans aucune pression, ça s'est fait au dernier moment. On est venus pour avant tout prendre du plaisir toutes les deux et passer un bon moment ensemble. Et après, on verra bien sûr s'il y a un résultat, ça sera encore plus magique. Euh,
avant tout, c'est vraiment m'amuser sur les routes corse parce que je pilote et je roule en Coupe de France des circuits, etc. Et donc moi, j'ai quand même envie de m'amuser au volant. Puis après, les postes gourmands ou autre, ça sera du plus, mais ce n'est pas la priorité. Voilà, et c'est quand même la championne de France des circuits 2016. Ouais, Huntingers. Donc, On vend du rêve, c'est sûr que voir ces voitures, c'est magnifique. Pouvoir avoir réalisé ces opérations préliminaires sur l'esplanade du Mucem à Marseille, c'est extraordinaire. Le soleil est de la partie, le bateau nous attend, on va bientôt embarquer. Très clairement, j'ai une image il y a un an, la dernière spéciale de Sébastien Ogier, un dimanche matin à 8h sur Eurosport, une chaîne. J'ai vu un lever de soleil, sa voiture qui avançait. J'ai appelé Philippe, je lui ai dit on fait le Tour de Corse l'année prochaine. Rarement embarquement concentre autant de véhicules de prestige. Direction Bastia, la tombée du soleil. Derniers instants de détente avant l'aventure d'une compétition unique avant de rejoindre le point de départ du Tour de Corse 10 000 virages. La traversée va permettre de faire un dernier briefing d'avant-course. C'est aussi l'occasion de croiser du beau monde, de se faire des copains, de parler voiture, tactique, trajectoire, paysage avant une courte nuit qui attend plus de 200 participants. Pour certains, c'est le plaisir de redécouvrir leur rallye. Pour d'autres, c'est le grand saut vers l'inconnu. Bastia, la confrérie des 10 000 débarque, direction la place Saint-Florent, à quelques encablures du port. L'occasion de croiser les quelques équipes vedettes de cette édition 2016. Parmi les pilotes filles, détour avec la néophyte Audrey Marnet, mannequin, chanteuse, actrice et désormais pilote. Aujourd'hui, on est arrivé en ferry de Marseille et on est à Bastia, en Corse, Haute-Corse. Et je vais rouler, commencer à suivre le 10 000 virages, ou l'ouvrir peut-être, je ne sais pas, je vais voir. J'attends les instructions. Et c'est parti pour un tour de Corse avec ma copilote Alexa, à bord de ma petite GTS Mercedes-Benz. Un petit bijou, donc je suis ravie de pouvoir découvrir la Corse à bord de ce beau véhicule. La compétition met les filles à l'honneur cette année. Le 10 000 virages a donc une marraine. Plutôt rompue à l'exercice du pilotage de compétition, Estelle Lefebvre. Je pense qu'il faut se faire plaisir et puis en même temps, Audrey d'ailleurs a demandé tout à l'heure, elle fait « on peut s'arrêter pour prendre des photos, pour admirer le paysage ?» Oui, mais pas en spécial quand même. Voilà, c'est ça, faudra reposer. Enfin, c'est un conseil que je te donne, Audrey, pas en spécial. Dans la spéciale, faudra pas trop regarder le roadbook parce que je pense que sinon, elle va vomir. Voilà. Et donc, non, c'est aussi apprécier ce petit moment-là. Hein, c'est important. C'est bien, non? Qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi, j'adore. J'adore l'idée. Tu vas apprécier, toi, t'as Moi, je fais le roadbook, bien sûr. Tu sens une pression, là? Est-ce que tu sens une pression? Mon amour, oui. Tu peux me prendre le pouce? Tu regardes juste. Tu sens une pression? Non, aucune pression. Aucune pression. Le candidat est bien. Thomas Sisley et Sandra de Mateis, sa copilote et compagne, seront-ils un équipage d'exception sur ce rallye à suivre? Tous les compétiteurs et compétitrices disposent d'un roadbook, regroupant les liaisons et les zones de régularité sur route fermée. À leur disposition aussi, cette étonnante carte en 3D. L'étape 1 sur 4 comprend 3 points principaux, Bastia, Calacuccia, Ajaccio. On retrouve en détail aussi tous les lieux visités, les routes empruntées y figurent. Un outil de repérage virtuel important. Vous pouvez aisément comprendre maintenant pourquoi le Tour de Corse et ses 10 000 virages ne sont pas une appellation trompeuse. Les engagés s'y sont préparés, il va falloir maintenant les affronter. Thank you.
Entre les zones chronométrées et les liaisons quotidiennes, il faut compter environ 400 km par jour à parcourir. La concentration de voitures de rêve s'étiole sur les routes corses en ce début d'automne. Pour l'heure, ceux qui marquent le plus de points en liaison sont les heureux possesseurs de modèles cabriolets. La galanterie est une qualité dans le sport automobile. Honneur aux dames, ce sont les filles qui s'élancent les premières sur cette spéciale inaugurale dite zone de régularité. La paire cousin des clés de Maretsu ouvre les débats. 30,8 km entre Novella et Pietralba. Dernier contrôle, dernier conseil, ultime moment de concentration avant de lâcher les chevaux. Pendant que certains, désormais casqués et gantés, bataillent déjà sur cette portion de route fermée et aménagée, d'autres se rendent encore sur le départ. Les liaisons doivent être courues dans un temps imparti, des moyennes hautes ou basses selon le niveau, totalement compatibles avec le code de la route bien sûr, le transpondeur posé sur les bolides faisant foi. Pour éviter les embouteillages, un véhicule s'élance toutes les minutes. Contrairement aux pilotes du Tour de Corse WRC engoncés dans des voitures préparées pour des conditions extrêmes, là, les conducteurs sont plus libres de leur mouvement et profitent plus intensément de la beauté du paysage. C'est aussi ça, la magie du Tour de Corse 10 000 virages. Ces premières sensations permettent de mieux appréhender les difficiles tracés corses qui attendent les participants. Premiers émois pour l'équipe Marnet, la prise en main de sa voiture s'est bien passée, mais c'était sans compter une vilaine pierre. Pas de bobo, quelques dégâts matériels immédiatement traités par les mains de maître de Dominique Baldry et son équipe d'assistance dédiée au rallye. Oh non, attends, hier c'était mon sauveur et aujourd'hui... Voilà, les risques de conduite sportive, et c'est surtout c'est la faute des autres, hein, forcément jamais de la sienne, jamais de la mienne surtout. Et voilà, donc un peu trop près d'une route qui n'était pas tout à fait finie, un caillou qui est passé là, et du coup maintenant on doit couper un bout de ma voiture pour que je puisse continuer à rouler. On approche de la fin d'une première étape déjà haute en couleurs et en sensations. Une liaison choisie sur un critère simple pour finir. Tout déplacement ici doit se faire dans un panorama de rêve. Avant les podiums du jour à Ajaccio, détour par les calanques de Piana. On évacue le stress généré en zone de régularité. On redescend doucement des effets de l'adrénaline. 140 km de liaison, 140 km visiblement très efficaces pour reposer les coéquipiers et leurs machines, parfois rudement sollicitées, du pur bonheur visuel. Ajaccio reçoit le 10 000 virages comme il se doit. Présentation au public des équipiers, de leurs fidèles destriers, podium du jour, séquence contemplation et débriefing. Fin d'une première journée sur les chapeaux de roue, il reste trois étapes à avaler et pas des moindres. Laissons au repos les quelques 120 équipes du 10 000. La douceur du soleil automnal corse retombe. La deuxième étape pointe son nez sur un rallye qui, pour sa seconde édition, fait la part belle aux femmes. Elles sont pilotes, copilotes, toutes ont la conduite sportive dans le sang. Parmi les invités vedettes du rallye figure une certaine Inès Tétinger, un patronyme champenois célèbre, mais on ne parlera pas de bulle avec cette pilote hors norme. Seule pilote féminine engagée sur les 24 heures du Mans 2016, la voilà s'essayant au rallye sur ce Tour de Corse. 10 000 virages sans pression aucune. On fait tout ça pour s'amuser, même si forcément il y a une petite compétition dans le loisir. Mais c'est très sympa, je découvre aussi un peu les routes de Corse que je ne connaissais pas du tout, et c'est très impressionnant, et justement j'apprends en fait, beaucoup.
10 000 virages, c'est long, il faut les apprendre petit à petit. D'ailleurs, on est sur une route qu'on ne connaît pas, contrairement au circuit où à chaque tour, on sait où ça tourne, on a nos points de repère. Là, on n'a aucun point de repère. Et surtout, ce sont des routes qui ne pardonnent pas l'erreur parce qu'il n'y a pas de mur, parce qu'il n'y a que des ravins à côté. Mais non, c'est très impressionnant de pouvoir faire un rallye. L'étape du jour se court en fin de matinée. Il y a donc un peu de temps à prendre pour méditer. Les 10 000 virages intègrent une compétition 100% ladies, côté VIP et côté pilote, des pointures, des plus novices, une même passion, les voitures de sport et le rallye. Toutes se retrouvent autour d'Estelle Lefébure, grande fan de sport automobile. Elle manie les chevaux vapeur avec brio, mais c'est bien connu, sans maîtrise la puissance n'est rien. Coach Estelle vient en renfort. Séquence bien-être et exercice de respiration. Je pense que c'est important aussi, avant de prendre le volant, d'avoir un côté où on est quand même... On s'est déstressé, on a peut-être pris 5 minutes pour faire une petite analyse de soi. Moi, c'est ce que j'ai fait faire tout à l'heure, un petit scanner. Et puis après, en effet, elles étaient toutes genre « Ah, on est bien ». Et là, prendre le volant comme ça, on va être complètement conscient de ce qu'on va faire. Vraiment dans l'instant présent, c'est important. C'est vraiment ma passion. Bon, le bien-être, ça fait avec les deux livres, donc ça fait 2 ans, je suis en plein dedans. Ça fait plus que ça, mais là, ça fait 2 ans où je peux partager ce que j'apprends. Et auprès de professionnels, hein, naturopathes, médecins. Je trouve qu'on est une machine extraordinaire, mais très compliquée, mais extraordinaire. Donc voilà, j'essaye d'apprendre et de le partager. Pendant que certaines se relaxent tranquillement, d'autres découvrent le terroir et les saveurs corses. À chacun sa manière de profiter des périodes d'avant-course, l'accent est aussi mis sur la découverte ou redécouverte de la Corse, tout en gardant un vrai esprit de compétition. 30 petits kilomètres pour se regrouper du côté de Grosseto, l'occasion de mettre le nez dans le roadbook avant la zone de régularité chronométrée. Presque 50 kilomètres aujourd'hui, départ juste après les derniers pilotes du championnat du monde des rallyes. Super, temps magnifique. Spécial devrait être sympa aussi, 50 kilomètres, ça va être bien. Ça va être bien, mais il n'y aura que peu de place pour l'improvisation aujourd'hui. Voici la carte des réjouissances du jour. Aujourd'hui, les concurrents sont rejoints par une légende du sport automobile, victorieux à 6 reprises du Tour de Corse, dont 5 fois en championnat du monde des rallyes. Bernard Darniche est l'ambassadeur du Tour de Corse 10 000 virages pour la 2e année consécutive. Il nous parle avec sa verve légendaire de cette épreuve extraordinaire. C'est une idée originale quand même, issue de la Fédération française des sports automobiles. Nicolas Deschaux, qui en est son président, et Dominique Sariès, qui en est son directeur général. Il y a 2 ans, ils m'ont demandé de venir un peu épauler ces passionnés, ultra passionnés d'automobiles, parce que, vous savez, ces supercars que l'on voit habituellement dans des endroits extrêmement choisis, comme la place du Casino à Monte Carlo, etc., où ces voitures ne servent qu'à montrer qu'on a la voiture. Ici, c'est vraiment d'une autre nature totalement. Mettre ces supercars sur les routes du Tour de Corse, c'est déjà en soi un exploit. Intellectuellement, moi je suis très proche de ces gens qui démontrent d'une façon objective qu'ils sont passionnés et qu'ils sont, vous savez, conduire une auto qui a plus de 500 chevaux sur ces routes corses, comme on dit, faut en avoir. Même s'il n'y a pas cette notion de performance absolue, il faut en avoir. Ça me fait chaud au cœur et je me dis, tout n'est pas perdu. Parce que quand les gens sont passionnés, c'est la preuve évidente qu'ils sont bien vivants, qu'ils ont envie de vivre avec la passion, l'envie de découvrir des choses. C'est ça qui fait avancer l'être humain, c'est découvrir, vivre, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. Vivons bien, on ne sait pas ce qui se passera demain.
c'est vraiment différent que quand on est sur circuit, parce que sur le circuit, tu as toujours une marge de sécurité. Si tu sors, c'est pas grave. Tu as toujours du dégagement, tout est prévu pour. Putain, là, tout à coup, tu te mets dans des conditions où tu n'as pas le droit à l'erreur, quoi. J'étais mort de fatigue hier et j'ai encore un coup de barre là aujourd'hui. Si, ça m'a épuisé. Épuisé. En tout cas, quand tu te mets dans le rouge, ouais, c'est d'avoir tout tes sens en éveil à 150%, ouais, ça épuise. C'est un stress en fait, c'est un énorme stress. Le stress, ça fatigue énormément. Honneur aux filles, toujours honneur à la marraine du 10 000. Estelle Lefébure roule en hybride aujourd'hui avec comme copilote sa fille Emma Smet. Avoir la petite fille de Johnny comme copilote, quel must! Les premiers pilotes donc s'élancent sur la ZR numéro 2, 49,72 km entre Acqua Doria et Albitreccio. Étroites sollicitant toutes les parties du véhicule, les pneumatiques crissent, les amortisseurs couinent, les moteurs vrombissent et les différences de niveau apparaissent. Visiblement, les deux types de véhicules adaptés idéalement au tracé du jour sont les Porsche et les Mercedes AMG. Sébastien Ogier a foulé ce bitume avec la Horde du WRC quelques heures plus tôt. La route en garde encore quelques traces. Vigilance et précision des lignes sont de rigueur. Séquence admiration. Passage furtif d'hybride en fin d'après-midi. Les premiers concurrents passent la ligne d'arrivée de la zone de régularité 2. Derrière, on est encore en piste. Les pilotes s'éclatent. Mais que feraient-ils sans leur copilote? Pour beaucoup, c'est une découverte sensationnelle, ou presque. Alors, le rôle de copilote, moi, c'est la première fois. Donc, c'est un peu comme Inès Tétinger, c'est ses débuts en rallye aussi. Donc, on découvre toutes les deux au début le roadbook. Il faut avouer que c'était un peu une découverte. On n'a pas tout compris sur le début, mais ça se passe bien, il faut avoir le cœur bien accroché, l'estomac aussi, parce que ça tourne quand même. Et quand on a le nez dans le bouquin plutôt que le nez à regarder la route, parfois c'est un peu difficile, mais ça va. Elle pilote bien, j'ai confiance. Oh.
dernière grosse accélération du jour. Ensuite, il sera temps de ralentir le rythme. Pour l'instant, 50 km ont été avalés en mode sport qui vont laisser des traces sur les organismes. Un pilotage intense et maintenant le rythme qui ralentit bat les casques. Il reste 78 km pour débriefer de sa prestation du jour et de sa coopération entre équipiers. Après la visite de Propriano ce matin, direction Porticcio en convoi. C'est le deuxième village d'arrivée du Tour de Corse 10 000 virages et déjà des souvenirs incroyables plein la tête. C'est magnifique, c'est un endroit... Enfin, moi, je passe deux jours idylliques, merveilleux. Je retrouve un peu mes racines, parce que c'est un pays qui m'a permis d'exister, hein, évidemment. Et quand on existe quelque part, forcément, on a vraiment envie d'y retourner à chaque fois. La troisième étape débute pour nous dans les bois et en altitude. Direction le col de Verde, nous sommes sur une étape classique du mythique GR20, le sentier de randonnée corse, fameux dans le monde entier, qui traverse l'île du nord au sud. Rendez-vous petit déjeuner au relais San Petru di Verdi. Départ de bon matin pour une étape aux longues transitions. Départ de Porticcio et arrivée à Calvi en passant par Bastia. Pour l'heure, voici l'instant décontraction entre gentleman et gentlewoman drivers. À l'ombre des pins Larici et des hêtres, voici l'heure des premiers bilans. Et côté équipage vedette, tout roule. Je pense que le pilote vraiment est un super bon pilote. Et qu'il explose tous les temps. Et que moi, en tant que pilote, je prends du plaisir. Ça va vite, c'est géré, c'est cool. Tous les jours qui passent, à un moment donné... Il y a une spéciale. Il y a un moment donné, même si ça dure 20 secondes, mais à un moment donné, il y a une spéciale. Ça peut être entre deux feux rouges, ça peut être un virage que je veux prendre, ça peut être un rond-point. Et tous les jours, il y a toujours une petite spéciale dans ma vie. Ici, c'est extraordinaire. Regarde, rien que la montée là, qu'on vient de se faire, on a roulé quoi, une demi-heure, un truc comme ça. J'ai pas fait gaffe. La route était magnifique. Les virages s'enchaînaient. J'avais l'impression de faire du ski un peu, tu sais. Un peu de... Tu vois, passer d'un appui à l'autre dans un rythme. C'était super agréable. Des routes qu'on peut pas imaginer meilleures pour ce type d'auto, quoi. Enfin, c'est il y a le soleil, il y a l'environnement, et puis le col de Verde, c'est un des monuments du Tour de Corse. Le tracé du jour est plus accessible parce que les WRC sont pas passés. Donc hier sur l'épreuve spéciale, évidemment, les WRC 4 roues motrices, ça va dans les bas-côtés, ça emmène des gros pavés sur la route, beaucoup de gravier. Et là, avec ce type d'auto, si on accélère au mauvais moment sur une plaque de gravier, je connais la suite de l'histoire. Hein. C'est en marche arrière dans les rochers ou en marche arrière dans le ravin. Les gens qui sont engagés dans les 10 000 virages, là, ils prennent un plaisir fou parce que sans faire de folie, ils profitent de leur voiture d'une façon pleine et entière. Et ce sont des autos tellement adaptées à ce genre de situation, qui ont des couples moteurs, des accélérations, un freinage adapté, une tenue de route adaptée, un train avant, un train arrière, une liaison au sol, un châssis qui marche bien. Et là, ils goûtent la voiture, ils en profitent vraiment. J'ai commencé avec la noire, là je continue avec la grise, peut-être la blanche demain. On fait coucou à tout le monde, donc personne ne nous arrête. Oh,
déjà le luxe de conduire ce genre de voiture, ça c'est merveilleux. Donc moi dans le week-end j'aurais conduit deux différentes voitures, donc c'est sympa. Je pense qu'il va falloir voilà, y aller tranquille, on va se faire plaisir. Mais là déjà même dans la liaison, il y avait des passages, la route défoncée, défoncée. Ah, est-ce qu'il est parti ? Sur des petites routes comme celle-ci, où on arrive à prendre 150 dans des petites courbes, dans des petits virages, prendre des épingles à 60, ça paraît 60, ça paraît rien du tout, mais avec les épingles qu'il y a ici, c'est énorme. Une montée d'adrénaline qui est énorme dès le début et à la fin, un gros coup de fatigue. C'est pour ça que les nuits sont courtes et au bout des 4 jours, en fait, le lundi matin, quand vous rentrez, vous êtes à plat pendant une semaine. La carte du jour, de longues liaisons pour découvrir la Corse en profondeur et au milieu une spéciale qui s'annonce diabolique entre la Porta et Valle di Rostino. 53,72 km avec la crainte d'éventuelles précipitations sur la fin de journée, pile au moment du départ de la ZR3, la troisième zone de régularité sur 4. Comme on le constate sur l'animation 3D, une étape technique et pleine de virages, pointue pour les pilotes, difficile pour les copilotes qui risquent d'affronter la nuit pour les conducteurs partant en dernier. Les convois se forment à l'approche du départ de la ZR3. Montée de pression car les nuages s'amoncellent. Une certaine tension s'installe dans les habitacles. Quand la meute est lâchée, c'est confirmé. Les routes seront grâce à souhait, ce qui ne semble pas gêner les automobiles en tête de course. Avec un tel niveau de vigilance requis, cette étape sera décisive côté classement. Les duos engagés craignaient cette troisième étape. Elle a tenu toutes ses promesses. Longue, harassante, sportive, en quasi nocturne. Et pour fêter l'achèvement de ce qui restera l'étape la plus engagée du Tour de Corse 10 000 virages, accueil en fanfare de tous les équipages à Calvi, les mines sont marquées, mais radieuses. C'est ça, les Ferrali. Thank you.
une quatrième et dernière étape sous le signe de l'endurance. Le temps est à nouveau splendide, tant mieux, car il va falloir traverser la Corse, départ de Calvi au nord-ouest de l'île de Beauté, arrivée finale à Porto Vecchio au sud-est. Quasiment 340 km à parcourir au total, avec au milieu une spéciale de 54 km entre Antisanti et Poggio di Nazza. Après ces 4 jours, les 10 000 virages seront sans doute atteints. L'animation en 3D du jour permet de se faire une idée de ce que l'organisation a réservé aux engagés du Tour de Corse 10 000 virages, édition 2016. Avant de lâcher les fauves motorisés, détour interview de fin d'édition avec la marraine de la compétition. Moi, j'ai eu le plaisir de conduire 2 voitures, donc c'est top. Vraiment top. C'est une belle expérience, en tout cas. Voilà, si c'est à refaire, je dis oui tout de suite. Joli pays, enfin, jolie île, les gens accueillants, mais vraiment, vraiment adorables. Vraiment, là, aujourd'hui, on a eu un petit problème d'essence. Et dans un petit village, vraiment, on s'est dit, mais on va jamais y arriver. Et en fait, les gens sont venus avec des bidons, nous ont donné, vraiment adorable. Donc franchement, c'est extraordinaire, c'est sympa, on découvre des endroits extraordinaires. Voilà. C'est la dernière étape, mais loin de l'ambiance début de vacances, la tension est encore bien palpable sur la grille de départ. Beaucoup de stress. Mais bien motivé. Mais motivé. On va surtout en profiter. On va vraiment en profiter parce que c'est tellement bon que c'est extraordinaire. Je sais pas si tout le monde le pense comme nous, mais c'est fabuleux. J'ai jamais vécu comme ça, j'ai bientôt 60 ans. J'ai jamais pris autant de plaisir sur une course ou sur un circuit. Tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, la compétition bat son plein. On aurait pu croire que ce dernier jour de course verrait un ralentissement de l'allure générale. Au contraire, cette incomparable possibilité de faire preuve de tout son talent au volant sur route fermée a dopé les ambitions de tous. C'est la dernière occasion de se faire plaisir et ça se sent.
Cette dernière zone de régularité est piégeuse à souhait. Routes étroites, trajectoires délicates, le rôle du copilote est absolument primordial. Voici rien que pour vos yeux les meilleurs moments de cette ultime spéciale, dite zone de régularité. La course au chrono est lancée. Malgré une fatigue intense, c'est presque la mort dans l'âme que le pied se lève des pédales d'accélération. Fin de 4 jours d'intenses émotions, la fin d'une belle aventure sportive et humaine, exceptionnelle ou presque. Pour finir en beauté, il reste une dernière liaison magique de 70 km pour rejoindre les podiums et le bateau de retour à Porto Vecchio, avec passage dans un paysage grandiose, les aiguilles de Bavella, entre autres somptueux paysages au programme. Chacun sa manière de fêter la fin du rallye, en musique pour Thomas Sisley qui a fait montre de vraies capacités à piloter en rallye. Plus studieux pour Audrey Marnet qui a certes froissé un peu de carrosserie tout en faisant preuve de réelles possibilités de conduite dans une course au tempo relevé. C'est presque une coutume, la fin du rallye voit se former des convois de supercars, le plaisir de rouler en groupe à travers des routes de légende. L'occasion de rouler dans les traces des champions d'hier et d'aujourd'hui, l'épreuve du Tour de Corse 10 000 virages est la seule opportunité pour des pilotes non professionnels mais amateurs éclairés de conduire en toute sécurité sur les routes privatisées et empruntées précédemment par des pilotes du championnat du monde des rallyes. Le tout ponctué d'étapes diverses qui ont permis aux équipages de découvrir ou redécouvrir autrement la Corse, ses paysages, sa tradition et sa gastronomie. Le Tour de Corse 10 000 virages touche à sa fin, le 10 000 ladies aussi. De plus en plus de filles s'impliquent dans le sport auto. Les sports mécaniques ont longtemps été l'apanage des hommes. Les choses changent enfin. Il n'y a pas de différence pour moi dans les sports mécaniques. Qu'on soit une femme ou un homme, on fait le même sport. On est un des seuls sports entièrement mixtes, on a la même voiture, on a les mêmes conditions, enfin on a les mêmes demandes physiques. Moi j'ai été passionnée parce que mon père m'a fait regarder les Grands Prix de F1, m'a emmené faire du kart. Et voilà, mais aujourd'hui il y a de plus en plus de femmes. On les voit moins dans les grands championnats. On les voit moins dans les grands championnats parce que forcément au fur et à mesure qu'on monte en catégorie, l'étau se resserre. Mais il y en a de plus en plus et je trouve ça bien. Le parcours offre également des moments privilégiés d'échange et de convivialité. C'est peut-être un détail pour vous, mais cette dernière liaison en groupe, pour eux, ça veut dire beaucoup.
Les meilleures choses ont une fin. Le WRC et le 10 000 virages font podium commun à Porto Vecchio, l'occasion d'une dernière parade en public, le moment des bilans aussi. Moi, je me suis aimé, je me suis régalé, je me suis éclaté. J'ai vraiment pris mon pied, mais vraiment, c'était extraordinaire. J'imagine qu'un jour, ça me servira dans un film de savoir piloter un peu. J'imagine, mais je le fais pas pour, je le fais vraiment pour mon plaisir personnel. J'adore ça, vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Ça a été une grande expérience du premier jour jusqu'à encore aujourd'hui. J'ai découvert des forces surhumaines pour rester aussi longtemps en voiture toute la journée. Ça tourne, non, c'est magnifique, on a découvert, c'était une super expérience. Bon, les paysages sont magnifiques, on va pas l'apprendre. J'ai vraiment adoré faire le rallye de Corse, j'ai découvert quelque chose que j'aime. Et pourquoi pas le refaire l'année prochaine, why not. Je reviens avec plaisir et je ferai deux spéciales par jour. C'est le moment des récompenses. Bruno et Alexandra Robin, père et fille, emportent cette seconde édition du Tour de Corse 10 000 virages. Sur le Ladies aussi, c'est mère et fille avec Béatrice Logil et Nathalie Thiel. Mais la vraie fête se fera un peu plus tard, dans la douceur de la nuit méditerranéenne, sur le bateau chargé de ramener tout ce beau monde sur le continent. Pour l'heure, nous vous laissons jeter un œil sur le tableau final. Séquence remise des prix en nocturne. Le 10 000 virages est avant tout une véritable fête du sport automobile, un grand moment de convivialité. L'occasion aussi de nouer de nouvelles amitiés avec au moins déjà une passion commune, la course automobile sous toutes ses formes. C'est du travail et surtout c'est quelque chose d'extraordinaire et formidable de courir avec sa fille. J'ai fait quelques épreuves avec ma femme également et courir en famille, c'est un plaisir supplémentaire au plaisir qu'on tire du sport automobile. Je dirais le copilote compte au moins pour 50%. Au moins pour 50%, si ce n'est 60%. C'est pour ça, si on n'a pas un excellent copilote, on ne fera rien. C'est le copilote qui dit au pilote ce qu'il doit faire. J'ai fait de mon mieux, je ne pouvais pas faire mieux et je pense qu'on s'en est très très bien sorti. Sébastien Ogier, c'est la fierté des Hautes-Alpes, la fierté du Champsaur. Il est aujourd'hui parrain d'un club qui s'appelle le club Élite Hautes-Alpes et on est fiers d'avoir Sébastien Ogier comme un de nos sportifs élites. C'est exceptionnel, là on a deux Alpins à l'arrivée, à première place de chaque côté. On se connaît bien, puis c'est une formidable copilote. On a déjà fait d'autres rallyes ensemble, voilà. On est bien rodés, mais on fait ça pour le plaisir et on a eu la chance de gagner, voilà. Ce n'était pas prémédité. Les paysages sont extraordinaires, enfin la Corse de toute façon. Plein de virages, c'est pas pour rien qu'il s'appelle 10 000 virages. C'est la deuxième édition, on va dire que ceux qui ont fait la première édition, on les avait appelés les pionniers, sont revenus, se sont retrouvés comme des copains finalement, et puis ont aussi, de bouche à oreille, un petit peu ramené d'autres personnes, des nouveaux visages sur l'épreuve. Et en l'occurrence, aujourd'hui, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a une très très belle ambiance, ça fait aussi partie de l'esprit du 10 000 virages. Ainsi se clôt le Tour de Corse 10 000 virages édition 2016. Rendez-vous en avril 2017, toujours en parallèle du championnat du monde des rallyes. Une édition encore plus belle, plus engagée, toujours sous l'égide de la FFSA. Quoi de mieux pour terminer que le mot du président, un président heureux de la réussite totale de ce projet ambitieux et extraordinaire. D'abord un bilan chiffré. Effectivement, cette deuxième édition a vu croître le nombre de participants de façon incroyable, puisqu'on a quasiment doublé notre nombre de participants. Et aujourd'hui, les premiers ressentis qu'on a après cette deuxième édition sont vraiment très positifs. Les concurrents ont aimé le parcours, ont aimé la densité du parcours, ont aimé les routes qu'on leur a réservées, le parcours qu'on leur avait concocté. Je peux vous annoncer qu'on aura le bonheur de nouveau d'accueillir nos concurrents dans le cadre des 10 000 virages, à la fois Ladies et à la fois GT, Supercar. Ce sera la Corse au printemps. Ça ouvrira un peu la saison et je n'ai pas de doute sur le succès que nous aurons avec cette troisième édition.